Jean-Pierre et Léo sont des amis d'enfance. Ce sont des épicuriens. Ils sont tous les deux amoureux de Catherine. J'ai faim. Je sais pas quoi manger. J'ai faim. J'ai perdu au jeu. Pourquoi tu joues? T'étais où? J'ai faim. T'as la peau douce. Tu sais que tu me donnes de l'équilibre? Je vais aller au marché. Tu veux une pomme? C'est pas la saison. Tu viens d'où? C'est bon, les pommes. Tu viens d'où? Tu veux venir avec moi à Vierzon? Je sais pas. C'est trop tôt. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je te regarde. T'es comme ça, avec tes cheveux. Tous les samedis, Jean-Pierre, Léo et Catherine se retrouvent pour un pique-nique bucolique au bord de l'eau. Jean-Pierre ouvre une bouteille de vin. Léo enchaîne les pantalonnades et les cigarettes. Les rires fusent. Catherine, détendue, alanguie dans l'herbe, sort un livre de poésie. Place alors à des moments à la fois tendres et spirituels, portés par Baudelaire, Breton ou Nietzsche. Ils sont heureux, seuls au monde, légers, grisés par l'alcool et le soleil, loin de tout souci. Il y a du lyrisme dans cette robinetterie. Il y a des grèves. Les salauds ne sont pas tous parfaits. Il y a des grèves et il y aura moins de livreurs. Léo, tu nous lis un autre chapitre ? J'en ai marre. Marre. J'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Marre. Ma boule ? Elle est où ma boule ? J'en ai marre. Elle est où ma boule ? Ma boule ? Ma boule de thé. Ma boule à thé. Merci. Je suis livreur. Livreur de... d'entrée. Elles sont belles, les fleurs. Oui. Tu l'aimes, ma casquette? Oui. Et mon badge? Tu l'aimes, mon badge? Oui. Vous restez boire un verre avec nous? Je crois qu'on n'est pas parti sur bonne base, là.